Moi, je m'appelle Pierre et je suis guitariste pour Matelentrix. Moi, je suis François, je suis batteur pour Matelentrix. Matelentrix, c'est un projet qui a maintenant 4 ans, qui est né d'un projet thrash metal qu'on avait avant, plus standard, je dirais, avec deux guitares, une basse, une batterie. Et du chant. Et puis, on s'est retrouvés tous les deux et on a décidé de continuer avec une petite formule pour travailler juste. Et la petite formule s'est retrouvée à être la formule finale, en fait. Voilà, j'ai juste rajouté un ampli basse pour avoir plus de corps. Et puis voilà. Puis on a continué tous les deux et c'est comme ça que c'est né. La volonté de rester instrumental, c'était depuis le début ou... Parce que vous parliez d'avoir peut-être d'autres instruments, mais ça restait quand même vraiment le côté instrumental avant tout. Bah, au début, on savait pas. Bah, on savait pas, et du coup, c'est vrai qu'au niveau de la composition, on composait dans l'objectif d'avoir du chant, d'avoir quelque chose qui remplisse, donc on faisait des grands motifs, en se disant, c'est pas grave, il y aura des choses au-dessus. Et puis, quand on a vraiment décidé de rester tous les deux, on a tout redécoupé, mais on a tout... Enfin, on a réfléchi à l'ensemble pour que ce soit, je veux dire, j'ai envie de dire, qu'il n'y ait pas de longueur, que voilà, que ce soit suffisamment fourni, quoi. Ouais, voilà. Puis aussi le fait que, quand tu travailles à deux, que tu as construit quelque chose pour laisser de la place à un troisième ou un quatrième, peut-être qu'en le jouant, tu te fais un peu chier. Et du coup, là, on se fait jamais chier, quoi. Mmh. Ça te dit, on fait ça, ouais. Et là, on pourrait faire ça, ouais. Mais on pourrait peut-être même faire lui à la place. Et là, tu te marques, bah, vraiment. Ouais, au final, même s'il y a moins de possibilités sonores, vous avez l'impression d'avoir plus de liberté et de possibilités, justement, créatrices. Il n'y a pas un moment dans un morceau où tu te fais un truc qui te plaît pas, quoi. Ou qui te botte moyen. Enfin, c'est comme ça que je le vis, moi. Sur les anciennes, peut-être, ouais, tu commences à avoir fait le tour, à comprendre ce qu'elles peuvent donner, jusqu'où tu peux les emmener. Mais mine de rien, il n'y a pas un truc qui est chiant à jouer. Ouais, et puis comme on se connaît bien, on sait quel chemin prendre pour à la fois faire plaisir à l'autre et se faire plaisir. Et du coup, ça va vite, quoi. On se fait des propositions, et puis généralement, c'est validé rapidement. Parce qu'on écoute quand même les mêmes choses, donc voilà, on a quand même ce côté en commun, quoi, qui fait que ça, au niveau de la compo, ça va très vite. Puis on peut pousser le vice sans dire attention, est-ce qu'il va savoir jouer ça le troisième? Là, il n'y a pas de troisième, donc tu pousses le vice et tu t'en fous, quoi. Vous avez commencé à en parler vite fait. Moi, j'ai l'impression que c'est un projet, en fait, que même s'il y a... D'ailleurs, pour l'instant, vous avez fait qu'un seul EP. Même si la suite arrive, c'est surtout un projet qui est fait pour le live. Ouais. Je pense, ouais. Ou alors, il faudrait réfléchir clairement à une façon de mixer pour que ce soit écoutable en salon. Je suis pas sûr que j'ai envie de ça. Bah, il va falloir, dans tous les cas, parce qu'il faut présenter... Oui, il y aura forcément un master. Faut proposer un produit de qualité, mais... Oui, c'est sûr que c'est un projet qui marche bien en concert et... Et aussi un petit peu plus proche du public. On aime bien jouer au sol, au milieu des gens. Et, c'est comme vraiment... beaucoup de groupes le font, si tu veux, on n'a rien inventé. Mais c'est vrai que c'est un projet qui permet de faire ce genre de délire, quoi. Oui, et puis être à deux, justement, aussi, ça permet ça. Ouais. C'est vrai que généralement, en fait, les groupes, moins il y a de musiciens, plus il y a d'intensité. Parce que tout le monde doit être justement à fond, c'est ce que tu disais. Et il y a toujours, en fait, une proximité qui se crée beaucoup plus... Enfin, pas facilement, forcément, mais qui est beaucoup plus intense, en tout cas. C'est ça. Et le fait de désacraliser le côté scène, c'est... moi, ça me met à l'aise aussi. Enfin, je suis aussi autant à l'aise sur scène que par terre, mais... Voilà, en fait, c'est une autre ambiance. C'est quand t'es obligé de pousser les gens parce que t'as plus de place et que tu te bats avec ta gratte et que tu te bats avec les gens qui sont derrière et... Enfin, il y a tout un truc et c'est là, eux, ça devient intéressant. Quoi, ouais. T'es vraiment avec eux. Mais sans parler de ces histoires de scènes ou fausses, le live, c'est surtout l'endroit où tu vas te rendre compte que ce projet est en fait un duo. Quand tu l'écoutes, tu vas peut-être pas t'en rendre compte. Peut-être moins, mais là, c'est vraiment à la fois
un dialogue, comme tu disais tout à l'heure, mais des fois on aime bien se bastonner un peu, enfin se pousser. C'est ça vraiment qui se passe en live, il y a ça. C'est vraiment un moment spécial. Hein.